Je crois que je t'avais pas vu toi ou quoi? Hey, salut à tous, c'est Péronal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Creative Destruction. Et je me suis dit, est-ce que ça vous dirait pas qu'on se fasse un petit Défendre Capitaine? Alors normalement, si je me trompe pas, Défendre Capitaine, c'est un 20 vs 20. Et dans chaque équipe, on a 5 capitaines chacun à défendre. On se lance directement et on voit ce que ça donne? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors attendez, nous on est les bleus et il y a les rouges. Bah écoutez, il y a là. Il hein. Y a un petit coffre juste là. Ok, ça c'est cool. Il y a un coffre et pas mal d'armes. Donc au moins, ça va. Je pense qu'on est bien tombé. On va voir comment ça se passe. Là, il y a quoi? Ouais, en fin de compte, non. Il y a un petit coffre en dessous du pont. Il faut savoir qu'ici... Alors normalement, les coffres sont tout le temps au même endroit. Alors j'ai remarqué qu'à des endroits, il y a des coffres et des fois, ils y sont pas. Mais la plupart du temps, les coffres sont vraiment tout le temps au même endroit. Allez, gazelle, dépêche-toi. Ok. Lance-flamme. Je vais être honnête avec vous, je préfère être à main nue que de prendre le lance-flamme. Royalement. Pour moi, le lance-flamme, c'est vraiment... même ça, là. Alors, je dis pas que ça, c'est plus puissant que le lance-flamme. Hein, parce que ce serait totalement faux. Mais je vais avouer, le lance-flamme, c'est... Je sais même pas pourquoi il est dans le jeu, en fait. Je vous jure, hein, le lance-flamme, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans le jeu. Je me demande si quelqu'un l'utilise. Dites-moi par hasard si vous l'utilisez. Alors je pense que tout le monde l'a utilisé une seule fois. Hein. Mais est-ce que quand vous voyez le lance-flamme, vous dites waouh, le lance-flamme, trop cool? Voilà, en fait, c'est ça la question. Est-ce que quand vous voyez le lance-flamme, vous vous dites waouh, trop cool? Moi, personnellement, quand je vois le lance-flamme, je me dis j'ai absolument aucune chance, c'est pas la Scarache. En gros, c'est ça. C'est ça que je me dis. Par contre, le souci, c'est que là, on a absolument aucune arme d'assaut. Alors, on a un petit snipe. On a un petit fusil à pompe. Pour le corps à corps. Mais le problème, c'est qu'on a absolument aucune arme d'assaut. Je pense qu'on va essayer de choper une escarache. Et qu'après, on va aller... on va aller chasser la gazelle. Hein. À mon avis, on va faire ça comme ça. Alors, attendez, parce que là... Il y a un petit coffre. On va choper le coffre. Eh ben dis donc, ça se voit que j'aime pas le lance-flamme, hein. Ça fait quand même deux fois qu'il me le passe, c'est incroyable. Je préfère encore le pistolet, quoi. Je vous avoue. Gazelle. Vas-y, ouvre le coffre. Ok, j'ai pris la popo. Au moins, j'ai pris la popo. Au moins, je lui ai piqué la petite popo. Attendez, là, apparemment, il y a une petite... Non, c'est vrai, ça, j'aime pas ça. On va rester comme on est, hein. Je pense qu'on va rester comme on est. On va même pas s'embêter. Il y a un petit capitaine, là-bas. Vous savez quoi? Je pense qu'on va aller pécho le capitaine. Par contre, il y a un truc que je trouve qui manque dans le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des trampolines, faut savoir qu'il y a les trampolines, les pièges. Voilà. En mode où vous mettez un piège et ça propulse le mec. Le problème, c'est que ce serait cool qu'ils mettent les trampolines pour qu'on puisse les utiliser nous. Parce que vous voyez là, c'est long. En gros, là, c'est super. Enfin, c'est long. C'est pas que c'est long, c'est juste que c'est. Le temps d'arriver là-bas, en fait, on va mettre du temps, quoi. Alors que si on aurait un trampoline, on perdrait beaucoup, beaucoup moins de temps. Allez, s'il vous plaît, Scarache, s'il vous plaît. Allez, AK-47. Au moins une AK-47. Merci, 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 merci beaucoup. Apparemment, il y a un autre coffre. Attendez deux secondes. Oula, pardon. Apparemment, il y a un autre coffre. Il est où l'autre coffre? Bah mince. On est d'accord qu'il y a un autre coffre là. Attendez, c'est une blague ou c'est une blague là? Eh, vous savez quoi? Ça m'a saoulé.
Il est où le coffre? Ah, ça y est, il l'a trouvé. Ok, d'accord. Excusez-moi. Il était là, le coffre. Ok, d'accord. Je vous avoue, là, j'avais pas un jeu. Waouh, j'avais impossible de trouver le coffre. Alors qu'il y avait un coffre juste là. Je galère à pêcher un coffre alors qu'il y a un coffre. Alors qu'il y a un coffre juste là. C'est quand même impressionnant. Il est où le coffre? Ok, il est juste là. Ah! Et ben voilà! Une petite Scarache! Ça fait plaisir. On a enfin la Scarache. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors attendez, Scarache. Il nous faudrait un petit fusil à pompe. On a un fusil à pompe, mais il nous faudrait un peu plus puissant en fait. Ce serait cool. Alors le capitaine, il est où le capitaine? Il reste 18 contre 19 joueurs. 5 capitaines contre 4 capitaines. L'avantage d'être capitaine. Enfin l'avantage. Le problème c'est que tout le monde vous voit sur la carte. Ça c'est un gros désavantage. Mais l'avantage, c'est que vous avez 200 de vie. Voilà. On a chaque personnage a 100 de vie. Il faut voir que le capitaine, il en a 200. Ça c'est cool. Après le souci c'est que absolument tout le monde vous voit sur la map. Donc voilà. En gros c'est ça. Tout le monde est là. C'est déjà un petit avantage. Le problème, c'est que eux, ils sont dans la zone. Enfin, ils sont pratiquement dans la zone. Et nous, on est super loin de la zone. Ils ont un léger avantage par rapport à nous. Après, c'est pas vraiment énorme comme avantage. Mais c'est quand même un petit avantage qu'il faut pas négliger. Vous savez quoi? On va pas s'embêter. Je pense. Ouais, je pense qu'on va pas s'embêter. On va. Ouais. J'étais en train de réfléchir en fait. Ouais, je pense qu'on va passer par là. À mon avis, comme ça, on va être totalement tranquille. Où sont les gazelles? Où sont les petites gazelles? Depuis tout à l'heure, on a quand même rencontré personne, hein. C'est fou ça. Pourtant, on fait. Oh, j'ai failli faire un truc de ouf. Pourtant, on fait que bouger. Mais on a rencontré absolument personne. Qu'est-ce que t'as de beau, toi? Oh, si, attends. Attends, gazelle. Est-ce que je peux prendre le fusil à pompe, s'il te plaît, gazelle? Ok. Bon, apparemment, je peux pas prendre le fusil à pompe. Fusil à pompe, petite gazelle. Ok. Voilà. Comme ça, on va acheter celui-là. Excusez-moi. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense. Et je pense qu'on va faire un truc. On va construire deux pièges. Alors c'est bête parce que maintenant je peux plus me protéger. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. C'est pas extrêmement grave. Toutes les maisons. Regardez. Tout le toit des maisons ont été détruits. Ça fait bi. Ça fait super bizarre. Attendez, mais c'est. Le toit des maisons ont été détruits ou c'est un nouveau. C'est quoi ce délire? Wow, incroyable! C'est détruit tellement bizarrement en fait qu'on dirait que c'est pas quelqu'un qui l'a fait. On va où? Les gazelles, elles sont où les gazelles? Ah ouais, elles sont vraiment dans la zone. Ok. En sachant une chose, si on tue tous les capitaines, si on tue tous les capitaines, on a gagné. Voilà. Même s'il reste un joueur dans l'autre équipe, à partir du moment où vous tuez absolument tous les capitaines, bah vous avez gagné. Voilà. Donc c'est pas. Alors c'est un 20 contre 20, oui. Mais c'est vrai que c'est pas réellement. Voilà. Faut quand même surtout protéger les capitaines. Et donc c'est. C'est solide, dis-moi. Attendez, parce que c'est relié ici, à mon avis, je pense. J'ai plus de balles? Ah oui, non, faut recharger. Oh, ça met un temps à recharger, c'est incroyable. En plus, faut savoir que ce que je fais, c'est totalement inutile. Le mec qui vient de tirer, je sais pas quand. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, j'ai pas à me dire qu'il y a des cheaters partout. Hein. Il y a des gens, voilà, il n'y a pas que des cheaters. Hein. Mais je vous jure, des fois, il y en a qui mettent des balles. Enfin, je suis. Enfin, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. J'avoue, des fois, c'est vraiment impressionnant les balles qu'on se mange. Oh! Laisse-moi ça, toi. Oui, ok, d'accord. 2 secondes. Wow, bouge, gazelle, un conseil, bouge. Attendez 2 secondes. On va se soigner. Ok. Qui c'est qui est dans le caca là? Ah oui, c'est toi qui es dans le caca, ok, d'accord. Hop, 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 hop. Ouais, non, je pense qu'on peut descendre. Hein. À votre avis, les deux gazelles, ils vont mourir ou pas? En fait, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'il y a des alliés qui vont les ressusciter? Ah non, il y a un mec qui est mort. Ah, tu as un mec, non? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un mec qui vient de mourir, à mon avis. Attendez, vous savez quoi? On va quand même détruire ça, là. Parce que ça me stresse. Waouh, ça c'est de la visée, ça. Ok, laissez tomber. Laissez tomber. Attendez. On va quand même monter à l'étage. Ok, on peut même pas monter. On n'a même pas assez de ressources pour monter, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte ou pas? C'est incroyable. Alors attendez. On va piquer la structure des alliés. Ok, on va piquer cette petite structure-là. Ok, c'est bon. Il reste une gazelle en bas. Non, il n'y a personne en bas. Pourquoi tu tires, gazelle? Vous tirez sur quoi là? Ah si, attendez, il y a un chef. Attendez 2 secondes. Je crois que je t'avais pas vu toi ou quoi? Oh, mais attends. T'es signalé sur la carte, gazelle, hein? Je pense qu'il a oublié qu'il était signalé sur la carte, lui. À mon avis, il devait zapper, à mon avis, hein. Je vous avoue. Ah, c'est pas possible ça. On n'est pas dans la zone. Alors attendez, parce que là on n'est pas dans la zone. C'est un énorme problème parce qu'absolument personne de notre équipe est dans la zone. Oh! Alors là on est en désavantage de ouf. On est en désavantage vraiment de ouf. Y avait un mec à soigner, je vous avoue, je l'ai pas soigné parce que j'ai pas envie de mourir. C'est totalement crevard, hein, je vous le dis, c'est crevard mais d'une force. À votre avis, est-ce qu'on va pouvoir poser le piège? Je mets ça à l'arrache. Hein. Je vous avoue, là, je m'embête même pas. Je mets vraiment, vraiment ça à l'arrache. Attendez, je pense qu'il y a des gazelles là-dedans, là.
Et bah voilà! Et en plus, on est premier. Alors par contre, on n'a pas fait beaucoup de kills, hein. 4 kills, score total. Ok. Alors le petit souci, je vais pas vous mentir, c'est que y a, on n'a pas fait énormément de kills. Voilà. Je pense que de mon côté, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de faire une partie avec beaucoup, beaucoup plus de kills. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit mode-là. Moi, je vais être honnête avec vous à 100%. De mon côté, sur 10 parties, je fais à peu près 8 parties comme ça. C'est-à-dire que pour le moment, les parties que je fais le plus sur ce jeu-là, c'est vraiment défendre capitaine parce que je trouve ça vraiment super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace!